Salut à tous, on se retrouve pour une semaine de vlog, toujours pareil, entre atelier et tricot. Pour rappel, et pour ceux surtout qui ne me connaissent pas, moi c'est Pauline, je tiens le compte Instagram Bulbe Bizarre et depuis peu l'e-shop de laine teinte à la main bulbebizarre.com. J'essaye de faire une vidéo vlog à peu près toutes les semaines, sauf quand j'ai des événements particuliers, ou les vacances scolaires, qu'on n'est pas là le week-end, etc. Sinon, j'essaye de vous documenter un petit peu ma petite vie créative, ma vie à l'atelier au jour le jour. Cette semaine, ça va être une grosse semaine de teinture, puisque j'ai fait une vente il y a une dizaine de jours. Que ça s'est très très bien passé. J'avais ouvert pas mal de précommandes parce que j'avais pas beaucoup de stock de laine encore. Et vous êtes nombreuses à avoir passé commande. Donc voilà, je vais avoir ça cette semaine comme objectif de maintenir mon planning de teinture. Et ça commence pas super bien, je vais tout vous expliquer. Sinon sur Instagram, je vous ai fait une petite foire aux questions. Essentiellement, j'ai eu pas mal de questions concernant le calendrier de l'Avent. Et ça, je vous ai fait une vidéo dédiée au calendrier de l'Avent que sûrement vous avez déjà vu. Sinon, vous pouvez aller la voir, il y a tout écrit dedans. Et normalement, les précommandes du calendrier de l'Avent arrivent pour vous aujourd'hui, donc le samedi 1er avril. Au moment où cette vidéo va sortir en fait, vous pouvez déjà précommander le calendrier de l'Avent composé de 24 mini et d'un écheveau plein pour le 25, ou le calendrier week-end composé de 5 écheveaux de 100 grammes à ouvrir tous les week-ends, un par week-end de décembre. Voilà, j'ai eu d'autres questions. Je vais essayer d'y répondre un petit peu tout au long de la semaine, bien que la plupart c'était vraiment pour le calendrier de l'Avent, mais j'en ai eu quelques petites autres qui étaient plutôt pertinentes et voilà, je vais y répondre tout au long de la semaine pour que ça fasse pas un gros bloc d'un coup. Je vais aussi vous présenter ce que je suis en train de tricoter. J'ai pas beaucoup tricoté la semaine dernière quand on est parti au ski, on a passé du temps entre amis. C'était une semaine de ski plus festival, donc honnêtement on était assez fatigués et j'ai pas eu beaucoup de courage pour tricoter, mais je vais quand même vous montrer mes avancées. Également j'ai fait quelques commandes que je vous montrerai tout au long de la semaine. Voilà, en fait les bénéfices de mes ventes, évidemment j'aimerais bien qu'à terme ça me permette de... Enfin, que j'aimerais bien pouvoir en vivre. En attendant, je réinvestis une grosse partie dans mon équipement. Et également, j'ai quand même envie de continuer et de plus, comment dire, soutenir des petits créateurs comme moi ou d'autres teinturiers, d'autres créateurs, d'autres auteurs, etc. autour de thèmes qui me tiennent à cœur, et également de vous en parler du coup. Donc j'ai fait quelques petites commandes avec l'argent que j'ai gagné de cette dernière vente et je vais vous montrer ça aussi au fur et à mesure de la semaine. Voilà, on va commencer par le tricot je pense. Je vais vous montrer un tricot aujourd'hui. Je ne vous montre pas tout d'un coup, je vais essayer de vous en montrer un par jour et après on fera un point en fin de semaine. Et le premier que je vais vous montrer, je ne vous l'ai pas encore montré mais vous l'avez vu sur Instagram, c'est un châle. Voilà, voilà. Alors c'est un châle que je tricote dans mes laines. C'est le kit de 3 écheveaux qui s'appelle Bouquet de Printemps. Il est composé de Euphorbe, le vert, Bougainvilliers, le rose, et Anami, le rose avec des speckles, le rose clair avec des speckles. Comme ça, vous pouvez les voir tricoter en même temps. Vous êtes nombreuses à avoir craqué sur ce kit. C'est un de ceux qui a eu le plus de succès avec le kit Délices de Pâques. Délices de Pâques, c'est Bougainvilliers également.
Bougainvillée, moelleux choco et chasse aux œufs, qui est très très beau aussi, j'hésitais entre les deux. Voilà, alors le châle, c'est un design que je suis en train de décrire. Pour tout vous dire, je l'ai déjà tricoté une fois en sport dans des laines de Tricot et Stitch que Tricot et Stitch m'avait offert. Et je l'avais fait du coup en sport pour le même patron exactement. Il fallait 5 écheveaux. Et moi j'avais quand même envie de le faire rentrer dans 3 écheveaux pour que ce soit plus abordable. Et aussi parce que ma version originale elle est quand même très très grande. Je vous la montrerai. J'essaierai de vous la montrer dans la semaine. La version originale est très très grande et je me suis dit en 3 écheveaux fingering, ça pourrait le faire, ça ferait un châle un peu moins cher quand même. Ça fait un châle, si vous prenez mes couleurs, à 72 euros au lieu de 120 euros. C'est quand même une grosse différence de prix. Et pour le printemps, je me dis que, alors là j'en suis à peu près à la moitié, vous voyez. Je me dis que c'est déjà quand même une bonne taille de châle. Surtout que là, bon, il n'est pas bloqué, c'est du point mousse, ça va quand même encore gagner en ampleur. Donc vous voyez, l'idée c'est super simple. C'est un châle qui va avoir une forme triangulaire et il est principalement composé de points mousse et de quelques sections de côte torse. En fait, ce qui est vert, c'est des côtes torse. Et le reste, c'est que du point mousse. Donc là, on a des rayures au point mousse. Là, on a du point mousse complet, mais avec quand même un peu la particularité d'être en intarsia. On commence le rang en bougainvillier, on finit en anami, on fait le retour anami, et ici, on croise le fil et on revient en bougainvillier. Donc c'est très très facile à faire. Je vous montre l'arrière, à l'endroit où on croise les fils, vous voyez. Ça fait comme une petite couture comme ça. Et ça se fait très 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 facilement. Mais ça rajoute un petit truc graphique. Donc voilà, c'est un châle vraiment accessible débutant. Mais qui offre quand même un intérêt graphique significatif. Moi, c'est vraiment le genre de châle qui me plaît quand on a par exemple, soit quand on est débutant. Soit quand on veut vraiment travailler des écheveaux où où on a des écheveaux très mélangés pour mettre en valeur le coloris, le point mousse, je trouve que c'est pas mal. Soit quand on a déjà quelque chose d'un peu compliqué sur les aiguilles et qu'on veut un projet un petit peu zéro cerveau. Donc voilà. Et alors, en fait, normalement, on augmente ici à chaque rang, de chaque côté. Et en fait, quand on arrive là, il y a un côté où on va continuer à augmenter et un côté où on va arrêter d'augmenter. Et donc naturellement, vous voyez là, je commence à avoir un angle, pas parce que je fais des diminutions, mais juste parce que j'arrête d'augmenter. Et en fait, toutes ces mailles qui sont là vont se transférer ici petit à petit. Et donc je vais avoir une forme qui va partir comme ça pour faire la pointe ici de mon triangle, comme ici. Voilà, dans l'idée, ensuite, au bout, il va se terminer par un I-cord qui sera vert. Et sur ma première partie, j'avais fait du coup toute cette partie-là I-cord verte. Et ici aussi, j'étais venue relever pour faire un I-cord vert. Et du coup, c'était sympa, ça faisait un petit peu comme un cadre autour du châle. Donc, ça rajoute un petit côté encore plus graphique. Et ça permet d'utiliser plus de ce troisième écheveau. Que finalement on n'utilise que pour les côtes torse là. Donc voilà pour ce projet qui avance tranquillou. Voilà, j'ai passé le cap où on arrête de faire des augmentations de ce côté. Je pense pas que ça signifie que je suis à la moitié parce qu'en fait maintenant là j'ai à peu près 200 mailles sur les aiguilles et en fait il n'y a pas de diminution donc je vais avoir 200 mailles jusqu'au bout sur les aiguilles. Donc voilà, je pense que j'ai fait largement les deux tiers quoi. D'ici, allez, je me laisse peut-être 2 semaines pour le finir, on va dire. Et ensuite, j'essaierai de mettre bien mon patron en propre. Et puis je ferai un petit test. Je vous le proposerai en test. Voilà pour ce petit projet que je trouve très printanier.
Alors, je reviens sur la boutique et je vous ai dit les précommandes et tout pour faire un petit point et en même temps pour répondre à une des questions qu'on m'a posées dans la foire à questions. On m'a demandé est-ce que les. On m'a demandé plusieurs fois si les ventes étaient passées comme je l'espérais. Donc, oui, ça s'est passé comme je l'espérais dans le sens où ça s'est bien passé, le site était fluide, etc. Donc, je pense que l'expérience client pour vous était agréable. Après, ça s'est passé au-delà de mes espérances en termes de vente. Pour vous donner des chiffres, sans parler d'argent, parce que c'est compliqué de parler d'argent dans le sens où je peux pas vous donner un chiffre de net de ce que j'ai gagné parce que je suis encore en rodage et puis, enfin voilà, ça reste du privé quand même. Lors de ma première vente, j'ai fait une douzaine de ventes. Et là, lors de cette deuxième vente, bon, il y avait les précommandes, hein, ce qui m'a permis de vendre plus en volume et d'étaler ma production. J'ai dépassé les 90 ventes, j'en suis pratiquement à une centaine de ventes. Donc je suis mais, plus que ravie, vous avez été complètement fou. Ben, merci, merci, je vous remercie à vous qui avez passé de commande, même à vous qui avez juste partagé ou juste commenter sous Instagram parce que c'est vraiment ce qui fait que l'information circule et que ça a aussi bien fonctionné. Donc ouais, franchement, je suis ravie, c'est un super lancement pour ma boutique, donc c'est génial. J'ai pu réinvestir dans des plaques, ce qui va me permettre d'augmenter ma production journalière et permettre d'éteindre toutes vos précommandes dans le temps imparti, pas d'inquiétude. À moins qu'il y ait un big problème, normalement ça devrait. Enfin, mon planning de teinture est rodé. Je vais peut-être même avoir un petit peu d'avance sur ce que je vous ai annoncé, mais bon. Gardons des distances avec ça. J'ai pu installer des étagères, ce qui va être beaucoup plus pratique pour travailler. J'ai pu me racheter des bacs, j'ai pu me racheter des casseroles. Donc ça va me permettre d'avoir un roulement plus fluide entre mes jours de teinture. Ça va me permettre de pouvoir faire tremper ma laine pour le lendemain et pas avoir à vider mon bac de teinture de la veille, voir si ça a bien épuisé, refaire une teinture d'épuisement si ça n'a pas assez épuisé, pour pouvoir reteindre la colorie d'après. Donc ça va vraiment me faire gagner du temps et ça va me permettre de bien organiser mes séances de peinture. Donc ça c'est génial. Quoi d'autre? Ouais, du coup, j'ai racheté de la laine. J'ai passé deux commandes de laine pour être sûre au cas où il y avait une commande qui se perdait, etc., d'en recevoir au moins une sur les deux. Et j'ai bien fait parce que j'ai une commande qui devait arriver vendredi quand mes parents étaient encore à la maison, qu'on n'était pas encore rentré du ski, c'est eux qui ont gardé les enfants à la maison, qui n'est pas arrivée. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sera reprogrammée. Donc je pensais pouvoir commencer ma teinture aujourd'hui. Mais je n'ai pas pu et ma deuxième commande arrive là d'ici ce soir. Donc je vais pouvoir teindre demain. À moins qu'il y ait un autre souci avec cette livraison, mais on va croiser les doigts quand même. Je perds une journée sur mon planning de teinture, sachant que je m'étais quand même programmé une petite journée pour aujourd'hui. Donc je vais essayer de rattraper le retard sur la semaine. Mercredi, je ne me suis pas prévu trop de teinture parce qu'il y a les enfants. Le week-end, je ne me suis pas trop prévu de teinture non plus. Donc bon, je devrais pouvoir grappiller un petit bac à droite à gauche pour rattraper mon retard. Mais voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça au cours de la semaine. C'est un format qui a l'air de vous plaire. Moi aussi, je suis trop contente de vous embarquer avec moi, de vous montrer un peu les coulisses, ce qui marche super bien, les petites galères, ce genre de choses. Donc voilà, je vous dis à plus tard. On est mardi après-midi et ça y est, j'ai enfin reçu la première partie de ma commande de laine. Donc ça y est, je peux commencer à teindre. Je vais vous montrer un petit peu parce que je vais vous montrer en même temps les petites étagères que j'ai dans la... Donc voilà, bon, j'ai pas encore tout installé, tout organisé. J'essaye de mettre mes trucs par ordre alphabétique pour que ce soit plus facile à trouver. Là, je vais teindre ces trois plateaux.
J'ai déjà deux marmites de tulipes qui sont en cours là. Et il faut vraiment que j'essaye de rattraper mon retard d'hier. Du coup, j'ai trois autres plateaux qui vont être teints après les trois premiers que je vous ai montrés ici. Sachant que pour chaque couleur, il y a au moins deux cuissons, voire trois ou quatre. Donc voilà, j'en ai pour un petit moment. Mais vraiment soulagée d'avoir reçu ma laine et de enfin pouvoir commencer à travailler. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer aujourd'hui de manière un peu plus posée. Donc c'est peut-être le seul coucou que je vous fais. Mais en tout cas, voilà, je suis à fond dans vos commandes. Je suis trop contente de pouvoir reprendre la teinture. Et j'essaye de vous faire des trucs canons. Alors du coup, à rincer. J'ai ces deux grosses casseroles, ces tulipes dedans. Donc en fait, vous voyez, l'eau, elle est pas. Le bain, il n'est pas du tout épuisé, il est encore très rose. Donc c'est ce qui va me servir de base pour Anami. Donc là, j'ai deux Anami qui vont être transférés là-dedans. J'ai ces quatre bacs, j'ai ce cinquième bac et j'ai également ces trois plateaux à rincer. Donc j'en ai pour un petit moment là. Je vais installer mes bassines comme ici. Mais ça, je crois que je l'avais déjà expliqué. Donc il faut vraiment que je vide ces bassines-là pour les récupérer pour pouvoir me faire mes trois bas de rinçage. Voilà, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je perds pas de temps. Je vous fais un petit point du mercredi et je reviens avec un ouvrage terminé. Ça y est, j'ai fini mon châle The Doodler. Donc pour rappel, c'était le MCAL de 2015 de Steven West. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, les MCAL de Steven West, c'est des patrons mystères. Tous les ans, il sort un patron de châle mystère à l'automne. Et on reçoit un indice par semaine et on tricote à l'aveugle. Enfin, sans savoir ce qu'on va tricoter et sans savoir à quoi va ressembler le design à la fin. Le seul truc sur lequel on a un petit peu de maîtrise, ben, c'est les couleurs qu'on choisit. Et du coup, moi, j'ai fait le Challographie et le Twist and Turn, donc les deux derniers, celui de 2022 et de 2021. Et j'ai très envie de tous me les faire. Donc, il y en a au moins, il y en a 10 ou 12, je crois que c'était le 13e cette année. Donc voilà, j'ai fait là celui de 2015 et franchement, je l'adore. Je l'ai fait dans mes laines, du coup, je fais un petit rappel pour celles qui n'auraient pas vu mes anciennes vidéos. Désolée si c'est une redite pour celles qui ont tout suivi assidûment. C'est les coloris Madras, La Voix de l'eau et Tulipe. Si vous voulez, j'ai fait des kits trois couleurs sur mon site. Ils sont en précommande. Donc, si vous voulez tricoter les mêmes couleurs ensemble, c'est disponible sur le site. Et bah, j'ai adoré tricoter ce châle. Franchement, j'ai envie d'en mettre un autre tout de suite sur mes aiguilles. Et honnêtement, je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai vraiment envie de monter autre chose. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je sais pas encore. Je vais peut-être attendre de sortir des nouvelles couleurs pour choisir, ou peut-être que je vais choisir mon modèle et que je vais voir les couleurs que j'ai envie de faire. Bon, j'ai pas encore du tout choisi le modèle que je voulais tricoter. Hein, je sais pas. Le slip Stravaganza me tente énormément. Je vous remets une photo ici. Il est magnifique. Il est aussi immense. Alors, je ne sais pas. C'est quatre couleurs, mais c'est 5 écheveaux, donc ça fait vraiment un grand grand châle. Peut-être en faire un plus ancien qui est un peu moins connu. Donc, je sais pas, je vais me pencher là-dessus dans les prochains jours. Bref, en tout cas, c'était vraiment génial à tricoter. Vous voyez, il n'est pas si grand que ça. Il n'est pas si grand que ça. Pourtant, on va pas au bout de toutes les laines, mais voilà, il n'y a pas un écheveau, on n'utilise que la moitié de l'écheveau, il faut bien trois écheveaux. Et on commence ici en fait, et on va tricoter comme ça.
Et à chaque fois, en fait, c'est un système de rangs raccourcis. Donc, le premier rang, on tricote jusqu'au bout. Puis, on tricote un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins comme ça. Et ensuite, on vient retricoter tout du long avec la couleur contrastante. Et en même temps, on tricote petit à petit ici, mais que un rang sur je sais pas combien du coup. Donc, on fait tout ça. Donc en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'on n'a jamais énormément de mailles sur les aiguilles, donc les rangs vont assez vite. Et vu qu'à chaque fois, c'est entrecoupé de la couleur contrastante, bah, c'est ultra motivant à tricoter. Évidemment, au bout, les rangs sont un peu plus grands, mais franchement, je ne sais plus combien on a de mailles au max, mais c'est pas énorme. Donc on finit comme ça, et après, on vient tricoter cette bande. Ici où il y a une espèce de torsade. Voilà, et là par contre les torsades, c'est vraiment des torsades sur tout le long. Et c'est pareil, il y a un système de rangs raccourcis et on arrive avec de plus en plus de mailles. Et en fait du coup la dernière torsade, je crois qu'il faut, j'ai envie de dire tordre, mais twister. 13 mailles sur 13 mailles là, pour faire la torsade et c'était pas super facile à faire, c'était pas ce qu'il y avait de plus plaisant à faire. Mais bon, il n'y a que les deux dernières qui sont un petit peu difficiles à passer. Sinon, ça se fait très très bien et là c'est pareil, hein, on n'a jamais beaucoup de mailles sur les aiguilles donc ça se fait très vite. Et ensuite, on fait la dernière partie qui est la bande qui semble un peu festonnée comme ça, que vous voyez en bordeaux, enfin c'est pas du bordeaux, en violine, en tulipe, le coloris tulipe là. Et c'est pareil, il y a encore un système de rangs raccourcis. Donc là, pour le coup, il y a plus de mailles sur les aiguilles, mais on fait pas chaque rang ne fait pas tout le long du châle. Vous voyez, ici, c'est tout petit, alors qu'à la fin, c'est plutôt large. Donc en fait, on fait jamais tout le châle. Et là, par contre, ouais, il y a 250 mailles, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu plus long. Mais le système de rangs raccourcis, il y a des jetés à des endroits et tout, ça reste ultra motivant. Et en même temps, c'est que du point mousse, donc c'est super facile. Ensuite, on vient refaire quelques rangs de coloris numéro 2 là de mon madras pour faire un I-cord, pour finir un I-cord, et on a en option la possibilité de faire la petite finition comme ça avec des petits picots et à certains endroits pour marquer vraiment là où on a ces espèces de festons qui ont été faits par des jetés, enfin les vagues là. Et là, par contre, il va y avoir un petit peu de travail au niveau du blocage. Parce que enfin, je pense que je vais vraiment les épingler un par un pour qu'ils ressortent très très bien. Pour qu'ils ressortent bien. Donc voilà. Donc c'est pas un châle immense, contrairement aux autres Steven West que j'ai pu tricoter. Mais il a une forme. Alors déjà, il est très enveloppant. Et franchement, en chauffe-épaule, il est parfait. Et j'adore. Enfin, la forme avec les petits festons là, je trouve que c'est super élégant et ça ressemble presque à une fleur. Si vous le faites avec des coloris du jaune, du rose, du violine comme ça, franchement, ça fait un châle ultra printanier qui est... Ouais, ça me fait penser vraiment à une tulipe qu'on aurait mis à l'envers. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais franchement, je le trouve très 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 beau. C'est encore un très très beau châle de Steven West. Comme d'habitude, j'adore ce qu'il fait. Donc voilà, ce n'est pas le dernier que je tricoterai, évidemment. Sinon, je voulais vous parler d'une petite commande que j'ai reçue. J'ai commandé des bougies chez Laetitia, qui a ouvert son entreprise Les Trois Chats. Bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Là, elle a sorti, ça faisait un moment que je ne lui avais pas pris de bougies. Je pense que la dernière fois, c'était vers Halloween, quelque chose comme ça. Et là, elle a sorti sa collection de printemps. J'ai regardé son podcast et ça m'a vraiment donné envie de lui repasser une commande. Oups! Donc voilà, je lui ai pris un air de printemps.
Et c'est vraiment des odeurs de printemps. Franchement, par rapport à la dernière fois que je lui ai commandé, on était vraiment dans des odeurs gourmandes, boisées. Enfin, vraiment, c'était dans l'hiver, le cocooning, etc. Là, on est vraiment dans le printemps, les fleurs, le grand air. Ça reste gourmand, mais c'est plus acidulé, c'est plus frais. C'est vraiment différent que les odeurs qu'elle a pu faire en automne. Et moi, tout ce qui est saisonnal, bah, je l'adore. Donc, franchement, ça pouvait que me plaire. Donc là, on a un air de printemps qui est estampillé floral, fruité et gourmande. J'adore, je ne l'ai pas encore fait brûler. Fleur des îles qui est boisée, florale, verte. Ah, j'adore. Il y a un petit... C'est doux, mais il y a un petit arrière-goût. Je pourrais pas dire, mais c'est super dur les odeurs. Enfin bref, il y a un arrière-goût de fleurs qui est sympa, mais en même temps c'est rond et ça reste gourmand. Fraise rhubarbe. Alors celui-ci, je pense que si j'avais pu en prendre qu'une, ça aurait été celle-ci. Oh, je sais pas. Ouais, celle-là, c'est vraiment la tarte aux fraises. C'est vraiment, on met le nez dans le saladier de fraises, quoi. J'ai pris Myosotis. Et celle-là, je l'aime beaucoup, c'est une de mes préférées. J'ai pas regardé vraiment les odeurs, mais je trouve qu'il y a une. Alors peut-être que je me trompe, mais qu'il y a un fond de mimosa. Et l'odeur du mimosa, j'adore, c'est vraiment la fin de l'hiver. Central Park, parce que, alors quand elles sortent des odeurs boisées, je suis. C'est mes odeurs préférées. Donc. Et ça sent le bois. Mais ça sent aussi le feu de cheminée. Enfin, c'est. Il y a un... C'est plus masculin que les autres. Et ça, j'aime bien ces odeurs un peu plus masculines. Ouais, ça sent le bois, le cuir. Un vieux salon masculin, quoi. Et j'ai pris fleur de cerisier. Et ça, c'est. C'est doux, on sent qu'il y a de la vanille, que c'est qu'il y a un fond doux, rond, etc. Mais c'est relevé par un peu d'acidité florale. Et ouais, c'est vraiment des odeurs de printemps parfaites. Donc c'est vrai qu'on a moins tendance à faire brûler des bougies en été, etc. Mais là, celle-ci, j'adore, elles mettent vraiment une ambiance de printemps dans la maison. Et même si on n'a pas encore le soleil qui est tout à fait là, ben je trouve quand même que moralement, ça fait du bien. Donc voilà, je vous quitte là pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Sinon, au niveau de l'atelier, que je vous parle un peu de ça. J'ai bien pu teindre hier. J'ai reçu mon... Je vous en ai parlé, j'ai reçu mon colis en début d'après-midi. J'ai réussi à faire toute ma séance de teinture. Je suis trop contente. Là, c'est en train de sécher. Dès que ce sera sec, je crois que je pourrai commencer à préparer quelques précommandes, même s'il manque encore pas mal de choses. Et j'ai retard un peu ce matin, je ne devais pas avoir les enfants, je vous ai dit, mais en fait, je devais avoir les enfants. Mais en fait, je ne les ai pas et finalement, mes beaux-parents les gardent pour la journée. J'aurais juste allé chercher Lou au sport cet après-midi. Et du coup, j'ai pu teindre ce matin, j'ai refait deux plateaux d'anami et j'ai refait du vintage, j'ai refait du moelleux choco et je vais peut-être aller faire deux plateaux de Market Space. Market Spice, pardon, je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Space. De Market Spice. Comme ça, demain, ça me libère deux plateaux où je pourrais faire des tests. Pour la mystérieuse, je pense. Voilà. Ça avance, ça avance. Je suis à court de socs. J'ai reçu ma laine hier et ça y est, je suis à court de socs parce que la première commande que j'ai passée, j'avais pas prévu autant. Il n'y avait pas déjà eu autant de précommandes et en plus, vous continuez à commander tous les jours encore. Donc, franchement, c'est incroyable. Je suis limite en flux tendu. Pardon. Je suis limite en flux tendu au niveau de la production, de ce que vous commandez, de ce que je peux produire.
Donc ça va, j'arrive encore à me laisser quelques trous pour tester des nouveaux coloris, etc. Mais si vous continuez à commander comme ça, il y a un moment où je vais arrêter les précommandes pour pouvoir me concentrer un petit peu sur d'autres projets, genre au moins une semaine ou quelque chose comme ça pour pouvoir tendre un petit peu autre chose et vous proposer du contenu un petit peu nouveau. Mais franchement, vous êtes des filles fous, quoi. Vous êtes vraiment des filles fous. Donc c'est génial. Et alors voilà. Donc j'éteins tous mes échevreaux en soc que j'ai reçus hier, ça y est. Et je devais recevoir une autre commande lundi. Sauf que elle est restée bloquée et dans ma commande, c'était pas écrit pourquoi elle était bloquée, ni rien, ni quoi. Je me suis dit, est-ce que c'est à cause des grèves? Je ne sais pas, il n'y a aucune explication. Pour avoir quelqu'un au téléphone, c'est impossible. Si on n'a pas un compte client, mais pour avoir un compte client, il faut être expéditeur FedEx et moi j'envoie pas par FedEx. Enfin bref, un bazar. J'ai quand même réussi à avoir quelqu'un par un chat qui m'a dit bah en fait c'est juste bloqué à la douane et faut payer les frais de douane. Je suis bah d'accord, moi je veux bien payer les frais de douane, mais il faut peut-être me le dire que je dois m'informer que j'ai quelque chose en plus à régler au lieu de juste bloquer mon colis. Je pense pas que ça les arrange en plus d'avoir des colis qui stagnent. Enfin bref. Organisation géniale. Donc j'ai renvoyé un mail au service de douane en leur disant mais moi je suis OK pour payer en fait, donnez-moi mon colis et j'attends de leurs nouvelles. Voilà. Entre-temps, j'ai repassé deux commandes de laine pour assurer le coup par derrière. Voilà, mais bon, en général, ça prend entre une semaine et 10 jours à arriver. Donc là, je suis un peu chômage technique. Je fais mes tests sur de la stellina, de la lurex. C'est ce qui part un petit peu moins rapidement. Vous commandez vraiment énormément d'extra fine fingering en fait. Donc voilà. Je vais peut-être aller faire mes deux plateaux de Market Spice. Ensuite, je m'arrête de bosser pour aujourd'hui. Enfin, je m'arrête de teindre en tout cas. Et je vais peut-être choisir. Non, je sais pas. Soit je me pose un peu dans le canap avant d'aller chercher Lou et je tricote sur mon. Soit sur ma couverture de Steven West, soit sur mon t-shirt Miss Surina. On verra, je vous dis demain. Alors, je vous retrouve au niveau de mon stock boutique. Enfin, ça, c'est des commandes qui sont déjà passées en fait, mais pour lesquelles il y a aussi des précommandes, donc c'est pas encore expédié. Mais j'étais en train de réfléchir pour le châle de Steven West, enfin le futur châle que j'aimerais faire. Et en fait, j'ai regardé du coup tous les MCAL et il y en a un que j'avais gardé en mémoire, c'est. Oh là là, ça y est, je sais plus, le Sparkle and Pop, je crois. Je vous remets le nom et je vous mets une photo. Et en fait, vous voyez, c'est à moitié une étole, à moitié un châle. Et il y a un genre de dégradé qui va du jaune. Au milieu, il me semble que c'est du. Oh là là, je sais plus, du rose vers le violet. Et donc en fait, il faut trois écheveaux pleins en dégradé, enfin qui font à peu près un dégradé. Donc moi, je me disais, mais en fait, je partirais bien sur ce kit-là. C'est le kit délice de Pâques. Imaginez celui-ci en grand, je ne l'ai plus en grand là actuellement. Mais imaginez, donc je ferais un dégradé comme ça. Et après, il faut rajouter un kit de 5 mini avec des couleurs qui tranchent. Et moi, je me voyais bien refaire des couleurs dans les tons de turquoise, enfin des bleus-verts, peut-être même un peu de jaune, pour faire, vous voyez, il y a des chevrons un peu en couleurs contrastantes. Et je ferais bien un truc comme ça. Franchement, ça me tente trop. Mais j'aimerais bien refaire un bleu-vert, un peu. Ouais, un bleu-vert. Vraiment un turquoise, peut-être un autre chartreuse, mais un peu plus foncé. Le jaune aussi, c'est pas mal. Franchement, ça poperait super bien avec ce kit, ce genre de couleur un peu plus froide. Et je suis trop enthousiasmée par cette idée. Et je pense que c'est vers ça que je vais aller. Donc, je vais retravailler des couleurs un peu plus bleues, un peu plus turquoise, je pense, pour ça.
donc jeudi matin, et ça y est, j'ai commencé à teindre. J'ai deux plateaux de chasse aux œufs en cours, et là vous venez juste de me voir préparer les biberons pour faire la deuxième face du coup de chasse aux œufs. Vous me voyez utiliser un masque comme ça. Alors en fait, c'est que quand j'utilise les pigments sous forme de poudre, vu que je les manipule tous les jours, je préfère ne pas prendre de risques et du coup porter un masque, c'est mieux. Et ensuite, une fois qu'ils sont sous forme liquide, là il n'y a plus de danger, il n'y a pas besoin de porter de masque. Et donc ouais, une fois qu'ils sont, je disais, j'ai coupé sans faire exprès, une fois qu'ils sont sous forme liquide, il n'y a plus de danger. En fait, c'est vraiment de respirer la poudre très très fine qui peut ne pas être très bonne pour les poumons, mais c'est un peu le cas avec n'importe quelle substance en pulvérisante, quoi, en poudre vraiment très très fine. Donc voilà, je préfère, c'est mieux de porter un masque quand on les manipule comme ça vraiment très souvent. Donc là, il y a ces deux plateaux qui cuisent. Ensuite, je vais les retourner. Je vais appliquer les colorants que je viens juste de préparer. Et entre-temps, je vais rincer ma séance d'hier. Donc j'ai deux plateaux de Market Spice. Là, j'ai deux plateaux d'Anami. J'ai une casserole de moelleux choco et une casserole de Vintage. Et j'ai reçu deux nouvelles casseroles. Donc c'est super, je vais pouvoir préparer du jour pour le lendemain. J'ai toujours pas reçu ma commande de laine, donc il me reste ça. Donc là c'est de la Lurex. Là. Là c'est des mini, là c'est de la Stellina. Et là normalement où je mets la soc, il n'y a plus rien. Donc voilà, j'ai pas une nouvelle de la douane de FedEx. Je suis un peu dégoûtée. Bon, j'ai refait deux commandes de laine et apparemment elles passent par DHL. Donc j'aurai peut-être pas autant de problèmes. Et sinon, bah du coup, vu que je suis un peu coincée au niveau de la soc, je me suis préparé deux autres plateaux où je vais faire des tests couleurs pour la mystérieuse. Voilà. On est samedi matin, c'est le matin de la vente du calendrier, ça va avoir lieu dans une heure à peu près. Je me suis pris la tête hier toute la journée pour essayer de configurer le site de façon à ce que lorsque vous mettiez un calendrier dans votre panier, vous puissiez pas ajouter d'autres articles, parce que en gestion c'est trop compliqué de gérer dans la même commande un article qui va partir là incessamment sous peu et un article qui va partir au mois de novembre seulement. Et puis surtout, il faut deux bordereaux d'expédition, et quand on fait une commande, il n'y a qu'un seul bordereau d'expédition avec un poids qui contient tous les articles, et je n'ai pas réussi. Je me suis bien bien pris la tête. J'ai essayé de faire des zones d'expédition différentes. C'est-à-dire que quand je... Il y a un peu de bruit, il y a les enfants. Quand je configure une zone d'expédition, je mets les articles que j'ai envie qu'ils fassent partie de cette zone d'expédition. Par exemple, il peut y avoir des articles que je peux pas envoyer, je dis n'importe quoi, en Suisse. Du coup, ils sont exclus de cette zone d'expédition. Donc là, j'ai fait une zone d'expédition où il y avait seulement les produits du calendrier. Ça n'a pas marché. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire autrement. Je vais faire comme si j'avais deux lieux de stockage pour mes produits. Un entrepôt là où je vis et un entrepôt à une autre adresse. Donc forcément, vous, quand vous faites une commande avec un produit dans un entrepôt et un produit dans un autre entrepôt, forcément, il faut qu'il y ait deux expéditions. Ça ne marchait pas non plus. Et en fait, à chaque fois, pour chaque truc, j'avais peur de faire bugger tout le site, de devoir complètement refaire toutes mes zones d'expédition, mes tarifs d'expédition, etc. Bon, au bout de 4 heures, je me suis dit, laisse tomber, c'est pas le moment là de faire bugger tout le site, il était presque 8 heures, je ne me voyais pas du tout tout reconfigurer si jamais je faisais une erreur. Je me suis dit tant pis, on va laisser comme ça. Je vais juste mettre un mot en disant faites attention, ne pas mettre d'autres articles dans le panier, sinon je vais devoir supprimer les autres articles du panier de la commande, vous faire un remboursement et... Et voilà, ce qui est aussi embêtant parce que c'est de la manip. Bah déjà pour vous, c'est embêtant parce que faut que vous fassiez une autre commande. Est-ce que vous allez avoir l'information? Est-ce que vous regardez bien votre boîte mail? Est-ce que. Enfin voilà, ça pose tout un tas de questions. Et puis pour moi, derrière,
C'est-à-dire que bah, une à une, il faut que je vérifie toutes les commandes. Bon, là encore, ça va, il n'y a que une soixantaine de. Enfin, non, 60 plus 60, parce que j'ai 60 exemplaires sur chaque calendrier. Donc, ça commence à faire 120 produits où il faut tout vérifier. Enfin, 120 commandes où il faut tout vérifier, où faut, s'il y a un souci, envoyer un mail au client, plus faire la manipulation d'annuler, etc. Enfin, ça rajoute quand même pas mal de boulot. Donc, et puis voilà, j'aime pas faire des choses. J'ai l'impression de faire un truc à moitié pratique ou à moitié fait, et j'aime pas ça. Après, je me suis dit, est-ce que je désactive tous les autres articles de la boutique le temps de la vente du calendrier? Comme ça, il n'y a que les calendriers pendant la boutique. Mais ben, au niveau du business, c'est pas super non plus, parce qu'il y a des gens qui me découvrent grâce au calendrier, qui ont peut-être aussi envie de pas forcément commander le calendrier, mais de commander un écheveau juste pour voir la qualité de mon travail, ou qui ont quand même envie de rajouter autre chose à leur panier. Enfin, je passe à côté de vente. Et puis aussi, je ne sais pas combien de temps va durer la vente du calendrier. 60 exemplaires, c'est pas beaucoup pour certaines teinturières qui sont très connues et qui ont déjà fait des calendriers. Pour moi, ben, ça va peut-être rester, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Enfin, faut que les gens ils nous fassent confiance quand même pour dépenser 169 euros sur une créatrice qui vient juste de commencer son activité, etc. Donc voilà, enfin, je pense pas que je vais les vendre en 5 minutes, quoi. Et moi, il faut que je continue à faire des ventes à côté si je veux continuer à faire vivre Bulkbubizarre. Donc voilà. Je laisse comme ça. Je laisse le site comme ça avec. J'ai mis un warning. Je vous ai prévenu sur Instagram. J'ai remis un warning sur les fiches de description. Alors, je sais très bien qu'on ne lit pas forcément les fiches de description, surtout quand on sait ce qu'il y a dans. Enfin, j'ai bien expliqué ce qu'il y avait dans le calendrier, etc. Et c'est pas du tout de votre faute, hein. Même moi, hein, je ne lis pas forcément la description du début à la fin quand j'achète un produit sur Internet. Donc voilà, tant pis, je me dis, bon, c'est pas grave, ça va me faire un petit peu de travail en plus, mais je pense que c'est le moins pire au niveau de la vie de la boutique, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais faire ça. J'ai toute ma laine qui va arriver d'un coup lundi, je crois. Donc là, je suis un peu en panne de teinture parce que, enfin, en chômage technique, mais je devrais pouvoir rattraper tout mon retard la semaine prochaine. En plus, Laurent, il n'est pas là la semaine prochaine. Il faut qu'il aille faire la clôture des pistes à Méribel. Enfin bref, il n'est pas là la semaine prochaine. Donc je vais avoir pas mal de temps pour bosser. Pourrais bosser le soir, etc. Et j'aimerais bien aussi commencer à développer des nouveaux coloris. J'ai envie de travailler sur les coloris dont je vous ai parlé là pour le châle de Steven West. Faire des coloris un peu dans les verts, dans les bleus, dans les turquoises, des coloris un peu aquatiques comme ça me tente bien. Et puis j'ai plein d'autres idées. J'aimerais bien faire des coloris un peu corail. Donc voilà, j'ai envie de teindre, j'ai envie de teindre, donc voilà, c'est bon signe. Hein. Mais voilà, je pense, normalement, je vous poste les vlogs le samedi. Ben là, j'ai pas eu du tout eu le temps hier de monter ce vlog avec cette histoire de prise de tête sur le site. Donc vous aurez pas le vlog samedi exceptionnellement. Je vais essayer de vous le faire pour le début de la semaine peut-être. Donc j'aimerais bien refilmer un petit clip où je vous montre un petit peu où j'en suis de mes tricots, parce que je vous ai pas montré grand chose cette semaine. Donc voilà, j'essaie de faire ça peut-être tout à l'heure ou demain, sachant qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est l'anniversaire de Lior, que je vais avoir la vente. Bon, j'ai plus rien à faire, mais je pense que je vais quand même un peu surveiller ce qui se passe. Et demain c'est dimanche, donc ça va être un peu plus tranquille, mais on va voir Ed Sheeran en concert demain soir. C'est trop cool, je suis bien contente. Et voilà, allez, je vous dis à plus tard. On se retrouve pour la fin de ce vlog. On est du coup dimanche. Je finis beaucoup plus tard que d'habitude. Ou je finis le vendredi. J'essaye de monter ça le vendredi et de vous poster le samedi matin. Bon, là, cette semaine, je me suis laissée emporter par les événements.
La vente du calendrier a bien eu lieu hier. Elle est toujours en cours, hein, c'est pas encore épuisé. Mais je suis déjà super contente des premiers résultats depuis hier. Le calendrier de week-end a l'air de vous avoir énormément plu. Le concept vous a bien plu. Pour rappel, c'était un écheveau par week-end au mois de décembre. Un écheveau plein à ouvrir chaque week-end du mois de décembre, avec un écheveau pour le printemps, un écheveau mode été, un automne, un Noël et un hiver. Et ça, à l'heure où je vous parle, il en reste plus que un en stock. Donc je pense que ça va être rapidement épuisé. Et au niveau des calendriers journaliers, j'ai vendu à peu près la moitié de mon stock. Donc je suis vraiment, vraiment ravie que vous m'ayez fait confiance sur ce projet-là. Je suis vraiment contente des ventes. Et surtout, j'ai pu récolter assez de fonds, ça y est, pour acheter tout mon matériel pour réaliser ce calendrier. Donc ça y est, j'ai commandé toute la laine, même pour les calendriers que je n'avais pas encore vendus. Donc même si au pire, je ne vends pas ces calendriers, ben, j'aurais des mini à teindre. Hein. C'est pas grave, ça reste de la matière première. Et je vais pouvoir également acheter tout ce qui est emballage, autocollant, enfin tout ce qu'il me faut pour packager le calendrier. Et voilà, je suis bien contente d'avoir fait comme ça parce que avec le budget qu'il y a sur le compte d'entreprise, faut vraiment réussir à faire des sous-dossiers. Alors ça, il faut ça pour mon calendrier, ça, il me faut ça pour payer mes charges, ça, il me faut ça pour payer mes impôts, ça, il me faut ça pour pour les précommandes que j'ai fait pour le printemps, etc. Donc là, ça y est, c'est enlevé de ma pensée. J'ai dépensé l'argent qui est rentré pour acheter tout ce qu'il faut pour faire le calendrier. Donc je n'ai plus à y penser et le stock sera là en temps et en heure pour que je puisse atteindre tout ça. En plus, j'ai aussi fait une grosse commande de laine parce que je pense que je vous en ai déjà parlé. Je ne veux plus du tout me retrouver à court de laine comme j'ai pu l'être cette semaine, ce qui va engendrer des retards, enfin des retards au niveau de mon planning à moi. Je pense que à votre niveau, à vous, ça va pas trop se ressentir parce que je vais teindre à fond, à fond, à fond à partir de demain. Ça arrive demain dans la journée, ma laine. Mais voilà, je vais me faire une séance de teinture le matin et je pense que je me referai une séance de teinture le soir, vu que Laurent n'est pas là cette semaine, ça tombe plutôt pas trop mal et je pourrais bosser le soir. Je ne ferai pas ça tout le temps. Je ne ferai pas ça tout le temps du tout parce que, alors autant j'adore teindre, autant teindre dans des conditions comme ça, je pense que pour la santé mentale, c'est pas génial, pour la créativité, c'est pas génial, etc. Mais hors de question que vos commandes prennent trop de retard. Et ce qui m'embête un peu, c'est que ça m'empêche également de travailler aussi vite que je l'avais prévu sur d'autres projets. Des nouvelles couleurs, le projet de la mystérieuse et le calendrier de l'Avent. Normalement, je devrais pouvoir commencer comme je l'avais prévu. Donc voilà. Voilà pour le petit point boutique. J'ai quand même teint un coloris que j'adore. Alors je travaille depuis quelques temps sur les coloris des box Tim Burton, donc la mystérieuse que je veux vous proposer incessamment sous peu. Je n'ai pas du tout fixé de date pour l'instant parce que je ne veux pas me mettre de stress. J'ai vraiment envie de sortir des coloris qui me plaisent beaucoup, même si je dois faire plusieurs tests, etc. J'ai sorti une couleur que vraiment j'adore. Je suis vraiment très très contente. Maintenant, j'ai toujours un doute sur le fait de vous proposer une box complètement mystère ou pas. Et quand je dis box, il n'y aura vraiment que de la laine dedans. Il n'y aura pas de goodies ou quoi. Oui, donc je disais, je vais vous parler un petit peu de ce projet Tim Burton là. Il y en a qui ont reçu les flyers dans leur commande, mais j'en ai pas encore parlé sur YouTube. J'avais envie de faire un club mystère. Le thème, ce serait les films de Tim Burton un peu tout au long de l'année.
Et je vous remettrai l'image que j'ai mis dans les commandes. Et il n'y aurait que de la laine. Et à chaque fois, il n'y aurait pas forcément qu'un coloris. En fonction de mon inspiration, du moment ou quoi, il pourrait y avoir 2, 3, 4 coloris, un bouquet de mini, peu importe. À chaque fois, vous auriez quand même évidemment une planche d'inspiration et un nuancier par coloris pour ne pas non plus être totalement à l'aveugle. Voilà, mais je sais pas, je suis toujours un petit peu, pas mal à l'aise, mais je pense qu'il y a des gens qui adorent vraiment être surpris et ça c'est génial et j'ai envie de vous laisser la possibilité d'être complètement surpris. En même temps, je peux comprendre que ce soit difficile pour certaines personnes de se laisser complètement surprendre et aussi on peut avoir une bonne surprise et être vraiment ultra satisfait d'une des couleurs et n'avoir qu'un écheveau alors qu'on aurait pu se dire non mais avec cette couleur j'aurais trop aimé me faire un pull ou me faire un projet vraiment plus important. Et vu que c'est des coloris que je n'ai pas envie de. Que j'ai envie qu'ils soient assez exclusifs à cette box, c'est dur pour vous de savoir est-ce que je prends qu'un écheveau, est-ce que. Enfin voilà. Du coup, en fait, soit je rends le coloris disponible 3-4 mois plus tard et ça vous permet de compléter, ou enfin voilà. Soit, en fait, ce que je fais, c'est que si vous voulez que ce soit une surprise, c'est une surprise. Mais si vous voulez vraiment voir le coloris, je ferai une vidéo YouTube avec spoiler. Et comme ça, vous verrez les couleurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais là, par exemple, le coloris que je viens de sortir. Moi perso, je le vois trop bien dans un haut, enfin sur une grosse pièce. Et c'est dommage que vous n'ayez pas la possibilité de vous aussi faire cette appréciation-là. Est-ce que vous voulez juste faire des chaussettes? Est-ce que vous voulez juste un écheveau comme ça pour mettre dans un châle? Ou est-ce que vous vouliez vraiment voir le coloris et vous dire, ok, mais ça, en fait, j'en commande 3 écheveaux directs parce que, et du même bain, parce que je sais que je vais faire une grosse pièce avec. Voilà où j'en suis de mes questionnements. Bon allez, je vais passer à autre chose. Je vais vous montrer mes projets tricot parce qu'on n'en a pas trop parlé cette semaine. Alors, pour vous montrer où j'en suis dans mon design de châle, voilà comment ça avance. Donc j'en suis arrivée au stade ici où vous voyez, ça y est, ça fait l'angle. En fait, de ce côté-là, j'arrête de faire des augmentations et du coup, naturellement, ça commence à faire cette forme qui va venir comme ça et qui va rejoindre la pointe ici. Donc voilà à peu près la taille que ça a pour le moment. Sachant que c'est du point mousse et que ça va quand même pas mal se détendre. Et pour vous montrer de plus près le rendu qui est en anami, euphorbe et bougainvillier. C'est le kit châle qui est déjà sur mon site qui s'appelle Bouquet de printemps. Voilà. Donc franchement, j'adore. C'est ultra joyeux. Ça va pas ultra bien avec ce que je porte. C'est mon Love Note en Market Spice. C'est aussi un de mes coloris. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer mon premier, le premier que j'avais tricoté dans les laines de Tricot et Stitch. C'était de la laine sport. Et du coup, alors c'est exactement le même patron parce qu'il y a le même nombre de sections, mais regardez la taille qu'il fait. Il est plutôt immense. Et je le trouve même un peu trop grand, vous voyez. Mais vous avez un peu l'idée du côté graphique qu'il peut avoir. C'est vrai qu'il est quand même pas mal en très très grand aussi. Hein. Donc celui-là, c'est de la sport. C'est le même patron en sport. Et comme ça, vous le voyez terminé. Et alors ça, c'était les coloris. Alors il y a, si vous voulez vous faire le même kit chez Tricot et Stitch, ça c'est Midnight Oil. Ça c'était un coloris d'épuisement. Donc elle l'aura pas, mais elle fait souvent des coloris d'épuisement. Et ça c'est Trigger. Et il m'avait fallu du coup 2 écheveaux comme ça, 2 écheveaux comme ça, et
un écheveau comme ça en sport. Et voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, moi j'en suis à peu près ici en fait du mien. Donc il me reste tout ça. Et en fait, quand on finit ici. Donc on rabat de là à là. Et en fait, après, et à la pointe là. Et en fait, j'ai fait un I-cord après qui, par contre, lui, continue jusqu'au bout du triangle là. C'est pour ça qu'en fait, au début, j'ai eu du mal à comprendre la construction parce que je ne comprenais pas comment on pouvait ne plus avoir de mailles de ce côté de l'arête centrale, mais avoir quand même un rabat qui va jusqu'au bout là-bas. C'est juste que après, j'ai fait un I-cord qui va jusque-là et aussi. Ensuite, j'ai refait un I-cord par là. Déjà pour utiliser plus de mon trigger là que j'adore. Et aussi, bah, je trouve que ça finit bien le châle d'avoir un I-cord tout du long comme ça. J'ai pas fait d'I-cord en haut. Et je vous ai épargné ça. Voilà. Ensuite, sur ma couverture de Steven West, la Jigsaw Puzzle. J'ai fait cette semaine cette partie-là qui est assez grande. Et du coup, je pense que vous n'aviez pas vu ce petit triangle et cette partie rose. Et du coup, ça commence à être un peu grand. Enfin, ça commence à être un peu grand. Voilà, ça c'est le bas. C'est le bas de la couverture. Et là, on monte vers le haut. Et la prochaine partie, je vais reprendre mes mailles que j'avais en attente là. Et je vais faire un espèce. Un rectangle, je crois. Comme ça, ici, le long de ce triangle là. Voilà. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. On verra. Peut-être un vert clair ou peut-être un beige. Je ne sais pas encore, on verra. Voilà pour ça. Et les laines que j'ai utilisées, du coup, c'était deux laines tricotées ensemble. Il y avait ce rose, je crois que c'est un arco-iris, mais je n'ai plus le nom. Je vais vous le sortir pour vous dire quand même. Ah oui, c'était Antoinette. Je l'avais utilisé dans mon premier châle de Steven West. Et celui-ci, c'est de la Essence of Autumn que j'avais eu dans une box de Steven West aussi. Quand on me demande quels sont les créateurs préférés, je pense qu'en un, il y aura Steven West. J'aime vraiment trop ce qu'il fait, j'aime trop les couleurs qu'il utilise. Il est vraiment décomplexé du tricot. Et c'est toujours ultra ingénieux, ultra engageant. Enfin, j'adore, j'aime énormément ce qu'il fait. Et il travaille toujours avec des teinturiers de folie, comme par exemple la française Artemisia ou l'américaine. Je sais plus si c'est américaine ou canadienne, je vais pas dire de bêtises. Mais Essence of Autumn, allez voir, franchement, elle fait des trucs ultra sympas. Et là, c'était de la single dans un de ses châles, je ne sais plus le nom, je vous remettrai, qui était dans sa box du yarn long de l'année dernière, que je n'ai pas repris cette année. Mais voilà. Que je n'ai pas repris cette année parce que c'est un budget quand même. Je crois que c'est plus de 400 euros la box. Bon, après, il y a beaucoup de laine dedans. Hein. Il y a de quoi faire trois châles avec trois ou quatre écheveaux à chaque fois. Et il y a aussi des goodies. Et en fait, ce qui est super bien, c'est que ça permet de découvrir des laines auxquelles on n'a pas forcément accès facilement, nous, ici en France. Par contre, au niveau des patrons, c'était mi-figue, mi-raisin. Il y avait un patron que je n'avais pas du tout aimé, donc je ne l'ai pas tricoté et je n'ai toujours pas tricoté la laine. En plus, c'était des couleurs froides, c'était vraiment des bleus. C'était pas les couleurs que j'aimais le plus, c'était du bleu et du gris, donc c'était pas du tout mes couleurs. La deuxième, les couleurs c'était beige et jaune, donc un peu mieux. Et le patron, il était sympa mais très répétitif à tricoter. Par contre, pour le coup, enfin,
C'était pas mon patron préféré de Steven West, pour être honnête. Et c'est un des châles que je mets le moins souvent. Je le trouve pas très pratique. C'est vraiment un triangle très profond comme ça. Et en fait, il n'y a aucun des côtés qui est vraiment assez long pour vraiment bien être enveloppant. Et le dernier, par contre, il était vraiment super bien. C'est celui que j'ai tricoté cet été. Je vous remettrai une photo. Et c'était avec Célène là, du coup. Et lui, par contre, c'était génial. C'était long à faire. Mais franchement, c'était des techniques que j'avais jamais faites avant. Et bah, le résultat il est trop trop canon. Donc ça, j'étais contente. Donc voilà pourquoi je n'ai pas repris. Alors, à un moment, j'ai hésité quand j'ai vu qu'il y avait Artemisia dans la box parce que vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais au pire, si je vois qu'il y a un des patrons pour lesquels je craque à fond dans la laine et tout, normalement, l'année suivante, il ressort des kits pour les faire. Donc, je pourrais toujours le faire à un moment. Donc voilà, et puis surtout, il faut avoir le temps de tricoter trois châles, quoi. Trois châles de Steven, mais surtout que moi, j'ai envie de me focaliser sur les MCAL, je vous l'ai dit. Voilà. Ensuite, il y a également mon Miss Urina, que je ne vous ai pas montré encore cette semaine. C'est un patron de... Je ne veux pas dire de bêtises, je vous remets là. C'est un t-shirt qui se tricote en fingering. Il faut deux couleurs. Dans ma taille, il faut deux écheveaux de la couleur principale, qui est pour moi ce coloris qui est Let's Get Drunk de Trélise. Et il faut un écheveau de la couleur secondaire, là, de la couleur contrastante, qui est pour moi ce orange. Et c'était Mother Dragon de Trélise aussi. Et je suis trop contente du résultat. Alors, je sais que la laine très variée comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus adéquat pour des jacquards parce que ça rend un peu plus flou le dessin. C'est pas aussi net qu'avec deux couleurs qui tranchent, qui sont pleines et qui tranchent fort. Mais moi j'avais envie d'un truc un petit peu pas tout à fait net, qui se voit pas au premier regard en fait. Et franchement, les couleurs, mais c'est trop beau! C'est trop beau! C'est la première fois que je tricote des laines de Trélise et c'est vraiment trop beau. Maintenant, il faudrait que je passe tout ça sur un câble pour voir si quand même on est à ma taille. Sachant que là, bon, bah, en se bloquant, ça va encore un peu se détendre. J'ai réussi à faire un jacquard, je trouve pas trop mal, assez élastique. Je suis pas du tout la pro du jacquard. Hein. Donc je vous montre l'intérieur, mais je suis pas du tout la pro du jacquard. Voilà, et j'ai passé les manches. Donc j'ai passé les manches, ce qui fait que là j'ai plus qu'à faire du tout droit. Alors dans le patron original, alors pour vous dire, dans ce patron, il y a de la dentelle en haut qu'on ne voit pas du tout. Alors là, qu'on ne voit pas du tout à cause de mon choix de laine. Il y a des torsades qu'on voit légèrement. Et il y a du jacquard. Donc ça englobe vraiment un peu toutes les techniques. Et normalement, après sur le corps, soit on fait un point texturé avec de temps en temps des mailles en verre, je crois, soit on fait des petits trou-trous de temps en temps, genre en quinconce. Sauf que, bon, moi je me dis qu'avec ma laine, ça va être un peu du travail pour rien. Donc je fais tout en jersey en droit. Je fais tout en jersey en droit. Normalement, j'ai fait une autre modification. Normalement, au fond du jacquard, là, il y a un petit carré ici avec deux petits points. Et moi je ne l'ai pas fait parce que ça rajoutait pas énormément au design et qu'il fallait quand même, entre chaque carré, il fallait énormément croiser les fils. Donc je ne l'ai pas fait. Et je ne pense pas que ce sera choquant. Donc voilà. Plus qu'à faire une mère de jersey maintenant. Donc ça reste un peu mon projet maintenant. Zéro cerveau. Que je sortirai quand il y a des copains, quand on regarde la télé, quand je discute avec quelqu'un et que juste je tricote tout en rond sans réfléchir. Et ensuite, Marc qui te montre pendant que j'ai dans la chambre. Et ensuite, vu que là j'ai vraiment ici dans mon châle que du point mousse.
là que du jersey endroit. Désolée, on a été coupé. Alors, ce que je disais, c'est que entre mon châle où c'est beaucoup de points endroit, et c'est un châle que j'ai déjà tricoté, donc c'est un peu moins engageant que la première fois qu'on le fait, ma mère de jersey et ma couverture où c'est que du point mousse aussi, j'avais plus trop de projets un petit peu cérébralement engageants. Du coup, j'hésitais entre. J'ai très envie de me monter un t-shirt, le Reina de Pika, je crois. J'ai une photo. J'ai très très envie de me le monter, mais je vais me le monter de cette couleur-là. Et pour l'instant, j'en ai pas en stock. Il faut que. Vous m'en avez commandé beaucoup. Donc, il faut que j'enteigne, je ne sais plus combien de marmites. Mais au passage, je m'enteindrai pour moi aussi pour ce projet. Donc, pour l'instant, je n'ai pas rien. J'ai très envie aussi de me monter le Lizzie Sweater et mon combo de base, c'était ça. Ces deux magnifiques écheveaux de la Fée Ballot, franchement, c'est trop beau. Et celui-là de Arco Iris en contrastant. Et en fait, ça, c'est des couleurs plutôt automnales. Je sais pas. Alors, j'adore, hein, franchement. C'est sûr que je vais tricoter ces écheveaux. Je les trouve trop beaux. J'ai très envie de mettre leur travail en avant. Et moi, j'ai très envie de les avoir dans mon placard. Mais je sais pas. J'ai envie de trucs plus automnales en ce moment. Donc, j'hésite. En même temps, j'ai trop envie de le monter, ce Lizzie Sweater. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le faire. Voilà. Donc ça, je crois que je vais le monter quand même. Et je n'ai plus de chaussettes depuis un moment. Enfin, j'ai toujours ma paire de chaussettes là en jacquard. J'avoue, mon pied passe difficilement dedans, donc ça me crée une frustration particulière. Et puis c'est des flocons de Noël, enfin c'est des flocons de neige, donc on est un peu sorti de ça, pareil. Donc je me suis dit, allez, je monte une autre paire de chaussettes parce que là j'ai une grosse pose chaussettes et ça me manque un peu. Donc j'ai monté la paire qui s'appelle Chicken Scratch Sock. Je vous mets une photo parce qu'on ne voit pas très bien la photo sur le patron. C'est une paire de chaussettes qui a une texture. Je crois que c'est la même texture que sur le bonnet velvet de Loli la Fée, il me semble. Et c'est un patron de Backwoods Knit. C'est un patron payant et c'est le genre de patron et de texture ultra sympa pour mettre en valeur les coloris avec beaucoup de variégation, beaucoup de couleurs dedans. Donc j'avais très envie de tester ce patron. Il était dans mon bundle Ravelry de mes patrons 2023 que j'ai envie de réaliser. Et pour le faire, j'ai choisi un combo de wool bags. C'est de la laine que je lui ai acheté lors du festival Knit with Friends à Porto, auquel je suis allée en juin dernier. Et j'avais pris ça parce que j'avais peur d'être à court de laine pour tricoter au retour dans l'avion. Et finalement, non, je n'avais pas eu à monter un truc en express. Mais je me suis dit, il n'y avait pas de bobine noire en fait là-bas. Je me suis dit, je vais prendre une sock blank, comme ça, je n'ai pas besoin de bobiner ma laine. Et si j'ai vraiment besoin, enfin, une envie de tricoter, j'ai ça. J'avais quand même pris un petit mini qu'on avait bobiné vite fait avec Christelle. Parce que j'aime bien avoir des pointes et des côtes contrastantes. Donc, je n'ai monté que ça. Et c'est mon projet vente de calendrier 2023. Quand je le porterai, je penserai toujours à cette journée de folie d'hier. Donc voilà, je n'ai fait que les côtes et c'est des côtes 3-2 pour l'instant. Il faut que je fasse un rang comme ça. Et après, je commencerai la texture dans cette sock blank qui est vraiment trop trop canon. Franchement, j'ai essayé de peindre des sock blanks. Et j'ai pas du tout réussi à avoir des effets comme ça. De toute façon, pour l'instant, les couleurs pastel, j'ai pas encore trop exploré. Moi, je suis dans l'ultra saturation, j'aime les couleurs de ouf, mais ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau quand même.
Voilà, on va voir ce que ça donne sur des chaussettes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah c'est tout, j'avais eu quelques petites questions. Désolée, il y a ma fille qui parle fort. J'avais eu quelques petites questions, mais je pense que j'y répondrai. Alors, j'ai eu des questions sur le club, sur la box mystère, donc je pense que j'y ai répondu là. On m'a demandé un club mini, mais ça, je pense que ça pourrait faire partir du club mystère. Je pense qu'à chaque fois, je proposerai une déclinaison des couleurs en mini. On m'a demandé si j'avais prévu de faire des salons. Pour l'instant, c'est pas prévu. Je ferme pas la porte, évidemment, hein, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Pour l'instant, c'est pas prévu. Je viens juste de me lancer, du coup, non, je n'ai pas encore fait de demande pour participer à des salons, mais pourquoi pas à l'avenir. On m'a demandé si la vidéo chat allait bientôt arriver. Et oui, il faut que je trouve le temps de la faire. Mais oui, j'ai toujours envie de vous faire cette vidéo où je vous montre tous les châles que j'aurais tricotés jusqu'à maintenant. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. On m'a demandé si je ferais des tutos pour les débutants. Je trouve qu'il y a déjà pas mal de tutos sur YouTube pour les débutants, notamment la chaîne de Clo Tricot que je trouve exceptionnelle. Ultra fourni, on trouve vraiment beaucoup de choses. Pour les chaussettes, à chaque fois, je vous reparle des vidéos de Tricot et Stitch que je trouve également super bien faites. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à tricoter les chaussettes. Donc, je pense pas que je ferai vraiment des tutos de base de base. Après, j'aimerais bien faire un patron de châle, d'un petit châle qui rentrerait dans un écheveau plus un mini. Parce qu'on me dit souvent. Vous me dites souvent que vous êtes frustrée par toute cette offre d'écheveaux, de laine à chaussettes, où on a souvent des kits, un écheveau plein et un mini, et que vous tricotez pas spécialement de chaussettes, mais que vous avez quand même envie de faire quelque chose de. Enfin, ces petits kits vous tentent quand même. Donc, ouais, j'aimerais bien réussir à faire un petit patron pour utiliser ces écheveaux. Est-ce que ce sera quelque chose de débutant? Je sais pas, parce que je pense que pour réussir à faire quelque chose là. Dans un seul écheveau, il faut quand même qu'il y ait de la dentelle et tout. J'aimerais bien trouver une dentelle assez accessible, etc., pour que ce soit quand même débutant compatible. Et du coup, si j'arrive à faire ça, faire une vidéo tuto pour tout le patron, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un projet, à voir le temps que ça peut prendre. Maintenant, il faut que l'idée, elle germe dans ma tête, etc. Il faut que je trouve la bonne idée et je ne sais pas si je la trouverai demain, dans un mois, dans 2 mois. Mais c'est un projet également. On m'a demandé qu'est-ce que j'aimais le plus dans le tricot. Et ça, c'est une question difficile parce que j'aime beaucoup de choses dans le tricot. Bah, j'aime forcément le travail de la couleur, le travail de la matière. Me dire qu'à partir d'une fibre, on peut la filer, on peut la teindre, on peut la tricoter avec plein de techniques, etc., pour avoir des rendus différents. Et ce que j'aime énormément dans le tricot aussi, c'est que c'est un projet qu'on peut avoir tout le temps avec soi, qui est très nomade, contrairement à la couture où il faut vraiment s'installer, avoir un endroit, enfin on peut pas tricoter, on peut pas coudre au parc en emmenant ses enfants, etc. Là, le tricot, c'est vraiment un projet qu'on peut emmener partout avec nous. C'est limite un projet doudou qu'on a pendant plusieurs semaines, qui nous accompagne au quotidien pendant plusieurs semaines, dans lesquelles on laisse nos souvenirs, dans lesquelles on laisse nos émotions. Et ça, je trouve ça assez incroyable parce que, en fait, après, quand on ressort ce projet, c'est comme un peu les souvenirs olfactifs. En fait, on a plein d'émotions qui nous. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait ça. Peut-être que ça parle pas du tout à plein de monde. Mais moi, ça me fait ça. Je me rappelle vraiment un châle que je vais avoir tricoté au bord de la mer. Quand je le remets, ben, je sais pas, j'ai toute cette ambiance de bord de mer qui me revient en mémoire. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. Et ouais, et vraiment, les projets tricot, c'est tellement unique parce que on met toutes nos émotions dedans. On y met de la laine, des fois qu'on a acheté des laines de teinturière qui elles-mêmes ont créé une histoire autour de ces laines,
qui elles-mêmes ont teint cette laine à une certaine période de leur vie. En fait, je trouve que c'est ultra chargé d'émotions. Et ouais, c'était vraiment des projets ultra forts, ultra. Enfin, c'est des pièces uniques, ultra fortes, ultra chargées en histoire. Je sais pas si j'arriverai vraiment bien à vous transcrire ça avec des mots, mais c'est un peu tout ce que j'aime dans le tricot. Enfin, ouais, le travail de la couleur, le travail de la matière et tout ce qu'on met dedans, en fait. Tout. Ça fait. C'est limite, ça, c'est une petite partie de nous, quoi. Donc voilà ce que j'aime énormément dans le tricot. Et maintenant, encore plus, depuis que je teins, j'ai l'impression de vraiment mettre encore plus une partie de moi dans mes projets. Et c'est fou. Mais j'aime toujours autant tricoter les laines d'autres teinturières parce que là, dans celui-là, j'ai mis une partie de moi, mais j'aime aussi apporter une partie d'une autre personne. Ça, je sais pas, ça étaye encore plus le projet, ça le rend ultra riche. C'est peut-être du chinois pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je suis hypersensible, hein, donc voilà, je suis un peu comme Anne qui découvre le monde. C'est un peu ça ma vie au quotidien. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Si j'arrive à filmer la semaine prochaine, pas sûr, je vais vraiment avoir une grosse semaine. Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Merci toujours pour vos petits mots, vos partages, vos achats, tout. Je parle jamais assez de vous remercier. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Salut.